Eh bien, salut tout le monde, ici Logan, c'est 1218. On se retrouve aujourd'hui sur Remember Me, alors un jeu plutôt fort futuriste, alors qu'il se trouve en réalité dans les années 2084. C'est du trop tard hein, pour arriver jusqu'à là. Alors, ce jeu, bien sûr, a été édité par Capcom, alors développé par Download Entertainment, alors drôle de nom. Type action aventure, alors sorti en France le 7 juin 2013 et le 4 juin aux États-Unis. Alors, à l'heure où vous allez normalement la voir, il n'est pas encore sorti, alors j'espère que cette vidéo vous plaira. On va commencer tout de suite. Ce jeu est déconseillé de moins de 16 ans aussi, je tiens à le dire. Il n'y a pas de multijoueur, c'est un spécial solo. Alors, correction gamma, oui. Et il existe sur PS3, Xbox 360 et PC. Voilà. Nouvelle partie. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a les fonctions pour avoir 3 sauvegardes. Ça se fait de plus en plus rare maintenant dans les jeux. D'avoir 3 sauvegardes pour pouvoir faire 3 solos différents quoi. Exemple, un pour vous, un pour vos let's play si vous avez une chaîne. Bon, il peut avoir plusieurs avantages là-dedans quoi. Quand le bateau a coulé, j'ai été la seule réfugiée à gagner la rive. J'ai serré la main de mon mari jusqu'à la dernière seconde. Je sens encore la force de ses ongles contre mes doigts. Vous savez, cette première nuit où il m'a dit « partageons nos souvenirs », je me souviens que j'étais un peu inquiète. Mais il a souri et on a appuyé en même temps. Tout à coup, j'ai tout ressenti. Pour la première fois, je vivais tout son amour pour moi. C'était tellement chaud et fort que ça faisait presque mal. Ça va faire 3 ans que nous vivons chaque jour, comme le premier. Il faisait tellement chaud ce jour-là. Et il y avait cette odeur tenace de plastique brûlé dans les rues. J'ai marché à travers la ville avec les autres enfants jusqu'à ce qu'on arrive tous à la sortie de Paris. Personne n'a tiré. La guerre était terminée. Je sais pas si j'aurai le courage d'offrir un jour tous ces souvenirs à mon fils. Mais je suis soulagé de savoir qu'ils sont à l'abri de tout risque. Grâce à mon Sensen, je choisis de me souvenir des moments importants de ma vie. Bon ou mauvais. Grâce à mon Sensen, mon mari est encore bien vivant. Là. Et là. Voilà. Alors pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi alors leur Sensen, c'est la petite boule qui se trouve au niveau de leur nuque. Alors en réalité c'est ce qui stocke toute sa mémoire. Alors comme vous avez pu voir en réalité ils peuvent décider de se souvenir d'événements importants et d'effacer le reste de leur mémoire. Exemple, bon si ça réellement si ça aurait existé. Par exemple vous avez perdu quelqu'un de proche, vous voulez seulement garder les bons moments dans votre tête comme si c'était hier, ben vous pouvez. Ah bon, on n'y est pas là, je pense qu'on serait ou tous morts ou très vieux quand on arrivera en 2084. Mais bon. J'espère en tout cas que cette vidéo plaira aux chaînes communautaires. Je tiens aussi à remercier tous mes abonnés, je vais bientôt monter à 4000, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment énorme, là ça monte très vite. Je tiens vraiment à remercier tout le monde, ça fait super plaisir. Mémoire du sujet effacée. Sensen en attente de nouveaux contenus mémoriels. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Quel est votre nom? Nilin. En quelle année? Répétez ça. Nilin. Mince, c'est une première. Pas grave, on raclera les derniers souvenirs. En quelle année sommes-nous? Je sais pas. C'est 2084. Vous savez où vous êtes? Non. Pas si résistante que ça, finalement. Merci pour votre coopération. Docteur Quaid? Oui. Ce sujet se montre résistant. Achevez le protocole de substitution. Puis envoyez-la moi. Je me chargerai d'effacer ces dernières réticences. Bien, docteur.
Voilà. En réalité, elle s'appelle Myline. Entre Ilin et Myline, je me rappelle plus vraiment. Je pense que c'est Myline. Et en réalité, ça va être notre personnage principal. Plus on va avancer, plus on va avoir de super pouvoirs. Moi, j'ai pu avancer un petit peu. Je vais pas spoiler, mais on a pu avoir quand même deux trois petits trucs. Pour ceux qui veulent en découvrir, parce que cette vidéo va pas être très longue, mais pour ceux qui veulent découvrir un peu plus, je vais refaire une petite vidéo test ou détente sur ma sauvegarde à moi pour vous montrer ce qu'on peut avoir. Par contre, ça va un peu spoiler. Ça va un peu spoiler ce qu'on va avoir comme, comme pouvoir, quoi. Mais bon, pas vraiment, vu que je vais pas non plus montrer énormément de choses. Merci. Maintenant, levez-vous. Alors, on se barre. Veuillez suivre la ligne orange jusqu'à votre prochaine affectation. Malheureusement, la plupart de cette vidéo va être surtout des moments de, comme ça, hein, des moments sans action. Parce que, bah tout simplement parce que malheureusement on arrive dans le début, alors forcément dans les débuts il n'y a pas fortement d'action. Mais sur ma chaîne il y aura bientôt sûrement des autres vidéos sur Remember pour montrer un peu l'action qu'il n'y aura pas eu dans cette vidéo quoi. Pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui ne le savent pas, je vais faire un let's play sur The Last of Us bientôt. Je vais avoir l'édition Joël, le collector. Je ferai une petite vidéo déballage pour un peu expliquer ce qu'il y a dedans et je ferai un let's play pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire montrer la totalité du jeu en plusieurs vidéos et moi je fais souvent des épisodes d'une heure. Alors pour ceux qui sont intéressés pour le let's play de The Last of Us, il va pas tarder pour le 14 juin, peut-être un peu avant. Alors ça va booster sur ma chaîne. Arrêtez, ce qui est dégueulasse c'est que là en réalité on se met dans une file d'attente pour racler les derniers mémoires, ça veut dire en réalité il nous efface, regardez. Merci de faire la queue. On et s'en fout de toi. Regardez au fond. Mon mec, il se fait avaler ses souvenirs. Il gueule. Arrêtez, ils prennent le reste des souvenirs que vous avez. Et après, ils vous jettent comme une vieille, un vieux légume tout dégueulasse qui sert plus à rien, qui est vide. Et arrêtez, il y a un mec qui essaie de rentrer Nilin. En contact avec nous. Tu m'entends? Oui. Ah voilà, c'est Nilin. Tu t'effaces la cervelle, Nilin. Ne les laisse pas faire. Je vais provoquer une diversion. Sois prête à bouger quand je te le dirai. Qui êtes-vous? Je suis la voix que tu dois écouter si tu veux vivre. Non, mais c'est pas ça. Regardez-moi ces pauvres gens. Ils doivent souffler, n'empêche. C'est à cause de leur sensei, je sais pas comment ils le disent, dans leur nuque. Malheureusement, on peut prendre les souvenirs qu'on a envie après. Le grand volet métallique va se lever sur ta gauche. Si tu m'as compris, bouge la tête. Je suis branché sur ton sensei. Voilà, sensei, voilà comment ils le disent. La porte passe en dessous, maintenant. En réalité, c'est un ami qui essaye de nous sauver parce qu'en réalité, à la base, c'est un ancien ami à nous qui, forcément, en réalité, Nilin a perdu la mémoire à cause qu'ils lui ont pris. Et à cause de ça, bah, forcément, elle oublie tout le monde, elle oublie les gens qu'elle a rencontrés, son but, pourquoi est-ce qu'elle faisait ça, pourquoi est-ce qu'elle est là, c'est qu'il y a un but. Parce qu'à la base, j'ai pas trop compris l'histoire, mais je pense qu'en réalité, elle essayait d'avaler les souvenirs d'autres personnes, des méchants. Et forcément, comme ils ont vu que c'était un danger, ils ont fait tout leur possible pour effacer sa mémoire et la jeter pour qu'elle fait plus du mal aux gardes, quoi. Enfin, un truc ainsi, en tout cas. Ok, je vois le truc. Allez, faut se barrer! Faut se barrer! Ah! Non, non! Allez, allez! Il faut qu'on se barre! Allez, Nilin, mon coup! Le passage sur ta droite, prends-le! Il faut partir! Ah! Ça doit faire mal, quand même. Relève-toi, tu dois continuer. Alors, en fait, on va devoir se glisser dans un petit cercueil. Où suis-je? Tu y es presque. Glisse-toi
là-bas dans un cercueil. Vite. Regardez, il y a des gens, ils sont même pas morts. Vous imaginez le truc ou quoi? Ils sont même pas morts et ils sont quand même dans un cercueil, c'est dégueulasse. Hein. Parce qu'en réalité, quand ils avalent le reste des souvenirs, les gens souvent ont tendance à mourir. Parce que bah forcément, imaginez, on prend tous vos souvenirs, même si c'est complètement impossible. Mais forcément, après, il y en a certains qui meurent, alors c'est pour ça qu'il y a des cercueils. Mais il y en a qui vivent, sauf que même ceux qui vivent s'en foutent, quoi. Ils les enferment quand même. C'est plutôt la galère. Alors là, en réalité, moi, il y a un petit bug qui se fait. Je sais pas si c'est normal, mais je pense pas. Je pense pas du tout que c'est normal. Mais moi, en réalité, il y a un double écho. Il y a une double. Quand il parle, en réalité, ça s'entend en deux fois. Je sais pas si c'est normal. Mais en tout cas, il y a ça de mon côté. Ce qui est un peu dérangeant au final, parce qu'on comprend pas toujours ce qu'ils disent. Et bizarrement, ça ne le fait que dans cette séquence. Alors, je sais vraiment pas si c'est le jeu qui bug ou si c'est complètement normal. Mais ça m'étonnerait que c'est normal. Niline, est-ce que ça va? Non, je veux sortir d'ici. Fais-moi sortir d'ici. Calme-toi. Ah ben non, là, j'ai pas de double. Je m'appelle Edge. Fais-moi confiance, j'ai rien dit. Frangine. C'était un bug. Je l'ai fait, frangin. Et me voilà enfermé dans un cercueil. Je dois te préparer à ce qui t'attend à l'extérieur. L'ennemi, c'est Memorize, une société qui fait le commerce des souvenirs numérisés. Ils appellent cette technologie le Sensen. Et le monde entier y est accro. Tu suis? Oui. Tu étais une chasseuse de souvenirs, Niline, la meilleure. Les autres chasseurs pillent les souvenirs. Toi, tu les remixes. Et surtout, tu es une erroriste, comme moi. Pourquoi ils m'ont fait ça? Tu étais une révolutionnaire. Mon meilleur agent. Nous nous battions pour qu'aucune société ne monopolise les mémoires. Bon, je me permets de couper la parole du mec et de parler pour de la cinématique, mais... En réalité, Niline avait le pouvoir avant d'avoir un sort de gant qui remixe la mémoire. En clair, ça veut dire qu'elle est rentrée dans le cerveau, enfin dans la mémoire plutôt des gens, et elle pouvait remixer à sa guise, ça veut dire qu'elle pouvait faire semblant que de lui faire croire que... j'ai pas compris, ça m'étonnerait que ça changeait son passé. Je dirais plutôt qu'en réalité, elle remixait son souvenir pour que la personne croie que ce que Niline lui a donné est réel pour elle. C'est bizarre à expliquer sur le coup. Exemple, maintenant, je vais dans vos souvenirs, je la remixe. Exemple, maintenant, je vous fais croire que vous habitez, je sais pas moi, dans une maison en bois. Après, vous allez croire que vous habitez dans une maison en bois et vous allez oublier votre famille. Voilà, c'est style à ça, en réalité. C'est bête, c'est un bête exemple, mais c'est ce qu'en réalité, Niline faisait. Bon, en plus pire, parce que là, elle faisait même des trucs qui donnaient envie les gens de se suicider ou de se tuer. Exemple, elle faisait croire que l'autre l'avait trahi, alors forcément, le mec allait buter l'autre mec. Bon, ça pouvait jouer en sa faveur de m'y remixer tout ça. Mais c'était son but à la base, c'était de remixer. Alors, maintenant son but, comme elle a tout perdu parce qu'on lui a perdu sa mémoire, enfin, pris on peut dire. Maintenant son but va être d'essayer de retrouver sa mémoire et de refaire ce qu'elle faisait avant. Et ça aurait été les petites personnes que vous allez voir qui ressemblent un peu à des... Ils font quand même peur, hein. Regardez, ils font peur en direction de la dalle en plus. En réalité, c'est des gens qui ont été aussi pris leur mémoire. Un peu comme le mec qui n'est même pas mort dans le cercueil. Ben là, exemple, là, il y a un mec qui va ouvrir le cercueil. Voilà, voilà. Regardez, le mec là, en réalité, va ouvrir le cercueil. Parce que c'est le fameux mec qui n'était pas mort quand on l'avait vu là. Au début, il y a 2-3 minutes, il y avait un mec qui n'était pas mort, que je vous avais dit. Et ben, en réalité, il est dans ce cercueil. Et il est comme eux. Voilà, regardez. En réalité, les gens qui n'ont plus de souvenirs du tout, mais qui survivent, deviennent un peu des malades mentales, quoi. Douleur partagée maintenant. Peur perdue maintenant. La douleur est partagée maintenant. La peur est partie. Peur. Peur. Ah, c'est vraiment des malades mentales, hein. J'aurais peur de voir ça devant moi, moi. Choix. Sœur, viande. Et pourquoi pas, ami?
suis pas de la tribu. C'est ça? On va essayer de les frapper avant de se quitter. Voilà. Je ne veux pas me battre avec vous. Tu dois le faire, Nilin. Ces gars te tueront. Utilise tes pressènes. Voilà. Bah finalement, en réalité, on va se quitter sur ce moment. Alors vous allez vous dire, mais dans cette vidéo, il n'y a pas eu grand chose. C'est justement ce qui va faire que ce qui va être utile, c'est de voir la prochaine vidéo que je vais faire sur ce Remember Me, tout simplement. Et là, ça va faire tout pile 15 minutes à peu près. Alors on va se quitter sur cette petite vidéo découverte. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Remember Me, où là je vous montrerai un petit peu plus d'action. D'ici là, si vous le voyez pas, mais ça m'étonnerait, vous allez le voir très rapidement. Et il va bientôt aussi y avoir, comme je vous ai dit, la découverte de The Last of Us, la découverte du collector de The Last of Us, où je filmerai carrément le collector. Et il y aura un let's play sur The Last of Us, voilà. Je vous dis à la prochaine mes amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine aventure. Salut tout le monde.